Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler musique et plus précisément pour découvrir les meilleures enceintes colonnes disponibles sur Amazon. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications. Allez, c'est parti, découvrons tout de suite les 7 meilleures enceintes colonnes disponibles sur Amazon. L'enceinte D15 de Definitive Technology séduit grâce à son design moderne et élégant. L'enceinte à 3 voix propose un son puissant et dynamique qui peut remplir une pièce entière. Le double radiateur passif intégré à l'enceinte est placé sur les côtés pour assurer une reproduction étendue des basses fréquences, sans générer de bruit de port tout en étant intégré à un coffret plus petit. L'enceinte dispose également de la technologie BDSS brevetée par la marque, offrant ainsi une sortie sonore linéaire et un rendement supérieur. Le tout permet d'obtenir des médiums plus détaillés qu'avec des haut-parleurs concurrents. Les tweeters à dôme en recuit d'aluminium produisent quant à eux des aigus précis et sans distorsion dans les hautes fréquences pour obtenir une scène sonore bien plus étendue. Enfin, le décalage du tweeter latéral permet d'éliminer la diffraction indésirable pour obtenir une image stéréo bien plus précise. La colonne T50 de Polk est conçue pour accompagner les home cinéma et écouter de la musique de la plus parfaite des manières. Facile à configurer, elle prend en charge le Dolby et le DTS et se connecte à la plupart des amplitunaires, amplis stéréo et les amplificateurs de home cinéma. L'enceinte est dotée d'un design durable conçu par des professionnels pour vous offrir une expérience cinéma de qualité supérieure. Et ce, grâce à un système audio haute résolution et un son ambiophonique immersif. L'enceinte utilise la technologie Dynamic Balance Technology de la marque, permettant d'augmenter le niveau des basses fréquences et dissipe les bruits étouffés, et efface toutes les perturbations qui se traduisent souvent par un son de mauvaise qualité. Ces deux colonnes sont dotées d'une bi-amplification délivrant 260 watts de puissance. Elles disposent d'un récepteur sans fil Bluetooth et de toutes les connectivités nécessaires pour être connectées à tous les appareils de la maison, allant du tourne-disque à un téléviseur en passant par les smartphones. Les deux haut-parleurs de grave médium de 20 cm en carbone et en cuivre sont plongés dans un volume d'air accordé en basse réflexe, par un évent frontal laminaire évasé, pour pouvoir limiter les bruits d'écoulement d'air lorsque le volume est à fond. Les tweeters à dôme en aluminium logés au fond de la gorge du pavillon acoustique diffusent le son verticalement et horizontalement sur 90 degrés. La télécommande fournie permet d'accéder facilement à toutes les fonctions du système, comme la sélection des sources, le contrôle des pistes et bien d'autres. Enfin, ajoutez un peu plus de boum boum dans votre maison en ajoutant de manière transparente un caisson de basse, pour améliorer encore davantage les basses fréquences. Il s'agit ici d'un couple d'enceintes équipées chacune de 4 voix. Elles contiennent un subwoofer, 2 médiums et un tweeter chacune. Cette installation permet à chacune d'entre elles de délivrer un son d'une puissance de 200 watts, garantissant une excellente portée sonore. Elles sont toutes les deux posées sur un pied pour les isoler du sol, réduisant ainsi les vibrations et l'altération du son. Sobres et élégantes, elles sont disponibles en noir ou en finition bois. Les connexions de ces enceintes se font par bornier à pinces stéréo qui ne sont pas fournies avec. Il faudra donc vous les procurer pour pouvoir les connecter à un téléviseur par exemple. L'enceinte colonne de Muse abrite un véritable système audio stéréo 2.1 d'une puissance de 120 watts. Elle dispose d'un lecteur CD, d'un port USB pour la lecture des musiques stockées sur une clé, d'un tuner FM et d'un récepteur audio sans fil Bluetooth compatible NFC.
L'enceinte est équipée d'une amplification chargée d'alimenter les deux tweeters, les deux médiums et un haut-parleur de grave. L'égaliseur intégré permet de jouer sur le niveau des graves et des aigus, mais aussi de choisir parmi différents modes d'égalisation préenregistrés dans l'enceinte. Enfin, une télécommande est fournie pour piloter à distance les fonctions principales de l'enceinte. Canton nous propose une enceinte colonne de haut niveau. La projection sonore des enceintes JLE est assez neutre avec une impression de profondeur et type de sonorité généralement douce à l'écoute. L'image sonore est large et la séparation des instruments est suffisamment précise pour bien distinguer chacun d'eux. L'enceinte produit donc un son équilibré avec un léger accent sur les basses et les intermédiaires. Les aigus sont quant à eux légèrement en retrait sans pour autant manquer de détails. Elle utilise deux châssis coniques identiques qui sont connectés en parallèle dans les graves mais divergent légèrement en son centre. L'autre particularité de cette série GLE sont les grilles métalliques amovibles pour protéger le châssis. L'enceinte colonne X6 est un modèle 3 voix à charge basse réflexe bénéficiant d'une remarquable finition. La marque danoise a une nouvelle fois porté un soin particulier à rendre son enceinte presque parfaite, en combinant design exceptionnel et performance acoustique. Elle bénéficie ainsi d'un socle de découplage en noyer plaqué et d'une amorce de pavillon pour optimiser la diffusion des sons produits par le tweeter. C'est un modèle à dôme souple enduit de 2,5 cm et relayé par deux haut-parleurs de grave médium de presque 13 cm. Le tout est protégé par une grille micro-perforée. La X6 convient aussi bien à l'écoute musicale qu'à la reproduction des pistes audio de films et de séries TV. Sa puissance d'amplification est comprise entre 10 et 200 watts. Elle délivre un son détaillé et précis avec des graves dynamiques. Elle peut être associée à d'autres enceintes de la marque ainsi qu'à un caisson de basse pour ajouter un peu plus de poids aux bandes son les plus épiques. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.